Seigneur nous bénisse. Amen. Mon bien-aimé, on est en train de chanter, on est en train de louer le Seigneur parce qu'on est dans la présence de Jésus. Merci beaucoup. C'est pas normal, c'est l'indifférence, ça c'est l'indifférence, c'est ce qu'on appelle l'indifférence. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur, en train de louer le Seigneur. Pendant que les servants de Dieu sont en train de chanter, en train de louer le Seigneur, toi tu es assis. Comme tu es venu pour toi, tu es croisé, tu es assis. Comme tu es venu pour venir, je ne sais pas, à un rendez-vous humain, ça attire la malédiction de Dieu sur toi. La Bible dit dans le Jérémie chapitre 48, le verset 10, maudit soit celui qui fait avec une négligence une œuvre de l'éternel. Même quand on va au funérailles de nos parents, on ne s'assoit pas, on ne s'assoit pas ici. On se lève et puis on fait des mouvements. Donc c'est pas normal. C'est pas normal que tu sois assis comme ça. Quel que soit ton souci, quel que soit le problème, tu ne dois pas te soigner de cette manière-là. Tu dois te lever, faire des mouvements, l'envoi de Dieu. Si tu tombes dans l'assemblée des saints, je dis la vérité. Voilà, on est venu adorer le Seigneur Jésus Nazareth. On n'est pas venu adorer un petit Dieu. C'est pas une station, on est venu adorer un Dieu vivant. Un Dieu qui se met dans la louange, qui descend au milieu de ses enfants. Il sait dans la louange. C'est pas normal. S'il y a une nouvelle personne parmi nous, cette nouvelle personne, elle va faire comme moi. Parce qu'il y a quelqu'un déjà qui, voilà, si la personne n'aime pas ce mouvement, peut-être n'aime pas se mouvoir dans la présence de Dieu, il va aussi copier sur toi. Cette malédiction va être tombée sur toi. C'est pas normal. Thank you.
l'adorons. Il est puissant. Il est puissant, le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Il est puissant, le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Il est puissant, le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Que nous adorons, ah. Formidable,
Amen. Gloire et joie ta place, mon Jésus. Amen. Jésus. Seigneur te bénisse. Amen. Tu as baissé légèrement les yeux, tu as fait sa rendre grâce à Dieu. Il t'a porté pour son nom ce matin te glorifier au milieu de lui. Il a dit que ce sont ceux-là qui se comportent comme des enfants qui entreront dans son royaume. Ce sont ceux-là qui sont des grands. Alléluia. Amen. Ce matin, tu l'as adoré en tant que maman, en tant que serviteur de Dieu. Tu l'as adoré ce matin comme un enfant. Et le Seigneur a dit que celui qui ne se fait pas comme cet enfant-là n'entrera pas au ciel. C'est-à-dire celui qui ne s'humilie pas. Et Jacques chapitre 4, verset 10 dit que humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ce matin, tu vas bénir encore le nom de Jésus. Tu vas encore glorifier son nom. Lève la voix, bénis son nom ce matin à ta place. Lève la voix, bénis le nom de Jésus. Je veux te rendre ta gloire ce matin. Merci ta grâce que tu as bénie ce matin. Merci la forme que tu as donné à chacun de nous t'adorer ce matin. Merci ta paix que tu as donné ce matin. Ce matin, dans cette même position, tu vas dans une position d'humilité. Tu vas dire, Seigneur, moi que je suis en vie, ce n'est pas parce que je suis bien. Moi que je suis en vie, ce n'est pas parce que je suis bon. J'ai une attitude désagréable vis-à-vis de toi. Ce matin, je demande ta grâce.
matin, je demande ta compassion. Ce matin, je demande ta miséricorde. Lève la voix et dis au Seigneur que ce matin, tu lui demandes pardon. Demande pardon au Seigneur. Lève la voix et prie au Seigneur. Demande pardon au Seigneur pour toute attitude que tu as eue au bout de cette semaine. Pour tout comportement que tu as eu au bout de cette semaine. Tu as dévié à ton frère, tu as dévié à ta soeur. Ton attitude désagréable. Lève la voix. Dis au Seigneur, je ne suis rien. Regarde en ton comportement. Seigneur, ton compassion. Dieu de miséricorde de moi. Je suis en colère. J'ai offensé mon frère. Dieu Seigneur, tu as offensé mon frère. Face à la soeur. Papa, honorer tes promesses avec quelqu'un. Dieu Seigneur, prends compassion. Aie miséricorde de moi. Et tu n'as pas su te maîtriser. Tu as dit des choses qui ne fallait pas. Tu as eu assurément à répondre à des choses qui ne te concernaient pas. Tu as eu assurément à dire des choses dont on ne t'a pas demandé. Tu as eu à bavarder quelque part. Or, notre Seigneur n'aime pas le bavardage. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Le Seigneur nous a recommandé de prier sans cesse, et de faire en tout temps toutes sortes de prières et de supplications, de veiller à cela avec une entière persévérance. Au cours de cette semaine, tu te focalises sur les intérêts, tu te focalises sur la santé des enfants. Je suis
de repentir. Je assume tes excuses. Lève la voix, dis-moi pardon, Seigneur. Oh, Yahushua, Amashia. Bien aimé, dans cette position où tu vas, alors demande au Seigneur de te purifier, de te sanctifier, de te laver par son sang. Lève la voix et dis au Seigneur de te purifier, de te sanctifier, de te purifier. Le Seigneur de te purifier, de te laver, de te nettoyer entièrement de toute souillure, de toute impureté, de toute saleté, de toute ordure, de te purifier, de te nettoyer. Matthieu chapitre 26, le verset 28 dit : à ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Comment le Seigneur, ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ton sang qui est ruisselé, que ce sang-là vienne te purifier. Là, c'est pour la rémission des péchés que ce sang a coulé, le sang a ruisselé. Il vient te purifier, te laver, te sanctifier au nom de Jésus. Je vais demander à quelqu'un de faire cette prière aussi. Il faut prier afin que le Seigneur purifie, sanctifie ta bouche. Lève la voix. Dieu Seigneur, purifie ta bouche, et sanctifie ta bouche. Et il a dit beaucoup de choses au cours de ces jours. Beaucoup de choses impures. Beaucoup de causeries impures. Beaucoup de paroles impures. Et ces choses n'ont pas glorifié l'Éternel. Lève la voix, le verset premier dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son nom est tenu pour entendre. Mais ce sont vos crimes, et une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés, qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Le Seigneur le prend compassion de toi, bien-aimé. Il te lave entièrement, te purifie, te sanctifie entièrement. Il te rend blanc comme la neige. Il te rend pur par son sang. Suite à cela, tu vas dire au Seigneur ce matin que son esprit vienne requinquer ton âme, son esprit vienne te vivifier ce matin, te vivifier. Son esprit vient ce matin prendre le contrôle de ton être tout entier, afin que ce ne soit pas en vain que tu sois ici ce matin. La Bible dit dans l'une des autres,
tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. L'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est pourquoi lève la voix. Dis au Seigneur que je ne sois pas dans ta présence pour une malédiction, mais que je sois dans ta présence pour une bénédiction, parce que tu n'es pas un Dieu de malédiction, mais un Dieu de bénédiction. Je conduis mon esprit, mon âme, mon cœur ce matin. Lève la voix, recommande à l'Éternel ce matin. Je commande à l'Éternel ce matin. Par Jésus. La présence ici ne va pas dans la vie. Dit que une heure de ma vie vaut mieux que mille ailleurs. Dans le peu de temps que tu vas faire ici, faut que Dieu soit la volonté de Dieu, c'est que nous sommes agréables. Merci parce que tu fais du bien à l'âme, le corps de chacun de nous. Merci parce que tu visites des cœurs célèbres. Tu nous remplis de ta grâce et ta soumission, Seigneur. Tu fais du bien à nos âmes ce matin. De toute ta gloire, de l'éternelle majesté divine. Merci, Seigneur. Bien aimé, dans cette même position, nous allons adorer le Seigneur. Parce qu'on est dans son cœur. Adorer le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur a tant fait pour nous. Quelqu'un qui connaît l'importance de la présence de Dieu. Même s'il n'y a personne autour de lui, lui n'attend pas quelqu'un pour adorer le Seigneur. Il n'attend pas quelqu'un pour servir son roi. Il n'attend pas quelqu'un pour faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Va adorer le Seigneur ce matin. Alléluia, le Dieu de Moïse est loué.
Mama,
Je suis fidèle à toi, soyez les bénis.
Jésus, tu es le
acclamation. Jésus, nous voulons t'acclamer. Yeah. Oh Jésus, nous voulons t'acclamer. Oh Jésus, tu nous as donné des mains. Oh Jésus, tu nous as donné des membres. Oh Jésus, tu as payé sur nos âmes, Jésus. Jésus, t'as veillé sur nos parents. Ah, Jésus, t'as veillé à notre délivrance. Jésus, c'est toi notre sauveur. Jésus, c'est toi notre Dieu, Jésus. Oh, Jésus, c'est toi notre Seigneur. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Tu as tenu debout. Tu vas acclamer le roi. Tu vas acclamer le roi. Tu vas acclamer le roi. Tu vas acclamer le roi.
Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Tu vas dire maintenant shalom à ton frère. Tu vas dire shalom à ta soeur. Alléluia. Tu vas dire shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Tu vas dire bonne arrivée dans l'Assemblée des Saints. Tu vas dire bonne arrivée dans l'Assemblée des Saints. Tu vas dire bonne arrivée dans l'Assemblée des Saints. Tu peux maintenant rejoindre ta place. Alléluia. Tu vas rejoindre maintenant ta place, s'il te plaît. Shalom. Tu vas rejoindre ta place maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as tenu légèrement les yeux et tu as prié éternel. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas baisser la tête légèrement, fermer les yeux. Et tu vas dire au Seigneur, c'est le temps de ta part. Nous l'avons adoré, Seigneur. Nous l'avons loué. Et maintenant, nous allons écouter ça. C'est pourquoi toi, tu nous as dit, Seigneur, viens prendre possession de mon être entier. Viens diriger mon esprit en ce moment. Tout esprit de vagabondage, tout esprit de distraction. Que tout cela s'arrête maintenant. Et que tu sois immergé, plongé dans ce moment de parole. Et que tu ne sois point ailleurs. Viens de là-bas et prie, Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse abondamment. La grâce de Dieu soit sur toi. Bienvenue ce matin, tu vas prendre ton épée. Et nous allons parler de la part de mon choix à marcher. Avant de continuer, de commencer plutôt. Bien aimé,
alors que nous devons passer à une autre étape. Il faut que nous nous rappelons de là où nous venons. Pourquoi tu vas nous dire que quelqu'un, pour vous qui était là le dimanche dernier, chacun ne peut pas dire un peu ce qu'il a retenu. Alléluia. Voilà. Quand dans la maison de Dieu aussi, on retient. Si à l'école, on retient pour pouvoir avoir les bonnes notes, alors, pour le ciel aussi, on doit retenir. Alléluia. Notre salut, on va aussi retenir. Parce que, aller au ciel, c'est aussi une affaire d'admission. Ou d'inadmission. Allez-y. Alléluia. Quelqu'un peut nous rappeler. Moi, c'est un peu ce qu'il a retenu du dimanche. Parce que le dimanche dernier, qu'est-ce que nous avons fait? Vous qui prenez notre tout le temps. Vous qui écoutez très, très bien. On va faire un petit passage sur on avait parlé de la restitution. On avait parlé de la restitution, alléluia. Effectivement, sois béni, c'est bon les yeux. Et effectivement, nous allons parler la semaine dernière de la restitution. Alléluia. Tu te souviens un peu? Tu te souviens un peu quand on a parlé de la restitution? Alléluia. D'accord. Et quels sont les indices qu'on avait donnés? Quels sont les indices qui t'avaient marqué? Voilà. Les indices qui t'avaient marqué concernant la restitution. Qui t'avaient un peu renié. Pourquoi ça t'a marqué? Concernant la restitution. Alors, on va définir la restitution. On avait dit que la restitution, c'est quoi? Bon, on peut nous consacrer la restitution. C'est le fait de restituer l'argent à l'acquis. C'est le fait de restituer. Le mot de restituer est venu ici encore. On fait la définition de restituer à nous. Qu'est-ce que ça va devenir ce vendredi? La restitution, c'est rendre un objet mal acquis. Alléluia. De rendre un objet mal acquis. Sois béni ce vendredi. Qui peut nous aider encore? Alléluia. Les servants de Dieu ici, elles peuvent nous aider aussi. On avait parlé de la restitution. Le dimanche passé, la restitution. On a parlé de beaucoup de choses concernant la restitution. Alléluia. Voilà. La restitution, c'est quoi? La définition de la restitution, c'est ce que nous sommes. Les savants de Dieu ici ont oublié. Alléluia. Amen. J'ai mis, au moins j'ai une troisième question. Concernant la restitution. D'abord, la définition de la restitution. Voilà, on a dit que la restitution, parce qu'on a déjà dit que c'est le fait de restituer un objet mal acquis. Mais en fait, on va dire quoi? La restitution. Donc, qui parle de restitution? On parle de restitution lorsque il y a quelque chose qu'on a. On a appris qu'il ne nous appartenait pas. On parle de restitution lorsque tu as volé quelque chose qui ne t'appartient pas. Alléluia. Lorsque tu as camouflé quelque chose. Lorsque tu as touché à quelque chose dont tu n'avais pas droit. Donc on ne t'avait pas permis. Alors, c'est là qu'on parle de restitution. D'accord. Et la restitution en elle-même, c'est-à-dire quoi? C'est le fait de rendre quelque chose que tu avais pris à quelqu'un ou tu avais pris à quelqu'un qui ne t'avait pas donné. Alléluia. Après avoir écouté le message de la Sainte Doctrine. Voilà Jésus. La Sainte Doctrine nous enseigne la restitution. Et dans les indices qu'on avait donnés concernant la restitution, on avait dit quoi maintenant? Les indices qu'on a donnés concernant la restitution. Ce matin, tu as dansé le Seigneur. Tu as loué le Seigneur. Mais une des choses qui énerve le Seigneur, une des choses qui attire la colère de Dieu, c'est l'enfant. C'est qu'ils aiment la Dieu, ils aiment le boulot, mais ils n'aiment pas garder ça. Vous allez voir des chants aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu. Je veux parler des chants. Des instrumentistes. Quand ils chantent. Quand tu joues aux instruments, quand tu vois le groupe même en train de servir, en train d'adorer le Seigneur, si tu n'aimes pas danser, tu vas bouger.
Même si depuis que tu es allé à l'église, tu n'as jamais, tu as toujours eu envie de danser. Mais toi, tu es toujours en train de danser. Sincèrement, on reconnaît que le Seigneur lui a fait ces dons-là. Le don de chanter, le don vraiment de maîtriser les instruments. D'autres jouent, ils jouent au tambour, ils jouent au piano, ils jouent à la batterie, ils jouent à la guitare. Ils touchent presque à tous les instruments. Et pendant qu'ils jouent ces instruments-là, ils chantent même à la gloire de Dieu. Ils jouent à ces instruments-là en chantant. Tout ça, c'est bien. Mais ce que le Seigneur va nous demander, le dimanche dernier, j'ai parlé de ça. Ce que le Seigneur va nous demander, va nous réclamer à la porte du ciel, c'est est-ce que tu as gardé ma parole? Dimanche dernier, j'avais parlé beaucoup sur ça avant de commencer la prédication. Quelqu'un vous me dit ici qu'il ne retient pas tout ce qu'on a, il ne retient pas au moins l'essentiel de ce qui a été dit le dimanche passé. Parce qu'il ne s'agit pas de venir se retrouver ici pour danser, pour adorer le Seigneur, et puis on n'a pas sa parole. Parce que l'adoration, ce n'est pas ce qui va nous faire entrer au ciel. Ce n'est pas la louange qui va nous faire entrer au ciel. Ce n'est pas par hasard que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23 que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont aller au ciel. Et que c'est celui-là seul qui aurait fait la volonté de Dieu qui va aller au ciel. Ce qui veut dire quoi? Avoir une belle voix ne me sauvera pas. Avoir la maîtrise des instruments ne me sauvera pas. Et même ma justice ne me sauvera pas. La beauté ne me sauvera pas. La gentillesse non plus. La générosité non plus. La fraternité et tout ce qui peut être cité. Ce n'est pas ces choses-là qui vont me faire la grâce de rentrer au ciel. Mais au contraire, la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Jean, chapitre 15, le verset 7. Vous tenez vos bibles quand même, vous allez purifier ça. Jean 15, le verset 7 dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous le recevrez. Il a commencé par dire, si vous demeurez en moi. Ça, d'abord, c'est-à-dire que tu as connu la sainte doctrine et tu marches selon la sainte doctrine. Tu t'habilles conformément à la sainte doctrine. Tu as fait tes restitutions, tout ça. Tu as restitué tout ce que tu avais mal acquis, tout ce auquel tu avais volé dans le passé. Tu es parti vers eux et tu es parti leur dire, vraiment, la fois dernière quand je travaillais avec toi, je t'avais volé 10 000 francs, je t'avais pris 15 000 francs, mais tu ne savais pas. Comme je donne ma vie à Jésus maintenant, et je suis venu faire ma restitution. Vraiment, les 15 francs que qui étaient perdus là, c'était moi. Voici ton argent. Tu as fait tout ce que, presque tout. Alors, si vous demeurez en moi, ça c'est la première partie. Tu demeures dans la scène d'offrir. Et la suite dit, donc, après d'avoir dit, si vous demeurez en moi, il dit, et que si vous gardez mes paroles, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous le recevrez. C'est comme si un père disait à ses enfants, si jamais vous ne désobéissez pas aux ordres que j'ai établis dans la maison ici, alors, le cadeau que vous voulez, je vais vous donner ça. Alléluia. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous réunit ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a pu connaître la scène d'ordre. On a pu connaître la parole de Dieu. Il y a des personnes que le Seigneur a suscitées avant nous. Par lesquelles? Par les témoignages desquels? Par les exhortations desquelles nous aujourd'hui, on a connu le message du dépouillement, la vérité absolue. Alléluia. Amen. Et si nous aujourd'hui, il n'y a pas de dépôt en nous, donc nous l'avons gagné. Et c'est avec la parole de Dieu qu'on gagne. On peut aller faire un concert vraiment, un concert de louange, voilà, d'adoration à l'honneur de l'Éternel, en plein air. On va gagner des âmes, il n'y a pas de problème. Les âmes vont venir parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment la musique. Par la musique, on peut évangéliser, vous êtes à la fois, on peut évangéliser par la musique.
Dieu par des chansons. Venez faire, pendant qu'on fait une bonne répétition d'avance et venir à un carrefour, venir chanter la gloire de Dieu. Et pendant que ceux-là qui aiment la musique, ils sont en train de passer, et même les enfants de Dieu qui ne sont pas trop, aiment quand même là, qui ne se fient pas trop de ça, tu vas voir, la main de Dieu va descendre sur des personnes. Il y a un chanteur, je crois, un chanteur, c'est pas un chanteur du Togo, c'est Anou Migan. Vous connaissez Anou Migan? Alléluia. Un chanteur, voilà, Anou Migan. Je crois, c'est pas, il doit être un Togolais ou un Béninois. Et lui et son frère, les deux sont des chanteurs. Ils ont fait une fois, ils ont fait une évaluation en plein air, spécial louange. Et tous les instruments étaient là. Et le Seigneur va se manifester puissamment, des délivrants, des démons sortent de corps des personnes. Ils ont des bâtiments. Il y a un bon moment de cela. Alors, on peut évangéliser par la chanson. Déjà, on va venir. Ce n'est pas la chanson qu'on va prendre pour les enseigner. Vous voyez que dans tout ce qu'on fait là, d'ailleurs, on ne peut même pas continuer dans cette vie là. On ne peut pas être capable de faire un mois. Alléluia. Un chrétien qui fait un mois sans ouvrir sa Bible, sans lire la parole de Dieu, sans méditer un passage, il est mort. Un mois, c'est trop. Déjà une semaine. Ta mort spirituelle a commencé. Tu fais toute une semaine, ta Bible est déposée dans le placard. Ou ta Bible est déposée quelque part là-bas. Tu ne pourras jamais avoir une vie. Tu ne pourras jamais avoir une vie véritable. Une vie spirituelle stable. Ce n'est pas possible. Alléluia. Imaginez un élève qui fait une semaine. Et toute la semaine, on a fait le cours. Ok. La semaine qui vient, il décide de ne pas bosser toute la semaine. Demain, il verra l'impact sur ses notes. Je parle doucement pour que vous compreniez. Parce qu'on n'est pas pressé. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que tu sais ce que ça fait lorsque tu entends un message que tu ne retiens pas? Une chose est de louer le Seigneur. D'adorer le Seigneur. Mais la chose la plus importante, ou la chose à ne pas négliger, c'est la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on est attaqué, c'est la parole de Dieu pour vous répliquer. Dans les prières, dans les combats. Et lorsque des gens veulent nous faire croire autre chose, c'est la parole de Dieu, on prend pour se justifier, ou on prend pour les contrecaler. C'est la parole de Dieu, on prend pour le dire, mais attends, tu dis que c'est ceci, c'est cela. Mais regarde, dans tel passage, regarde ce qui est écrit. Mais si tu n'as pas la parole en toi, alléluia, tu es vide. Voilà Jésus. Et je sais que vous avez retenu des choses. Assurément, quelqu'un ne sait pas comment on va parler. Quelqu'un ne sait pas comment on va répondre à la question. Mais tu te souviens de quelque chose. Une dernière fois, je reviens dessus. Le dimanche dernier, on a parlé de la restitution. On a parlé de la restitution. Et dans la restitution, on a parlé de beaucoup de choses. Alléluia. Mmh. On a parlé même de... Nous quand même là, on a parlé des avortements. Si tu as eu à avorter dans le passé, tu as donné ta vie à Jésus. Il va falloir que, puisque tu ne peux pas rendre cette âme-là à l'Éternel, il va falloir que tu prennes un moment de jeûne pour te répentir sincèrement. Pour te répentir sincèrement. Et s'il est arrivé que dans ta jeunesse, et tu, ou dans ta vie, tu as pris une grossesse avec d'une personne, d'un jeune ou même d'un frère, d'un monsieur qui dit non, faut avorter, toi tu ne voulais pas avorter, tu as refusé d'avorter. Allez, bon, si toi, l'enfant reste, c'est que ce n'est pas pour moi. Si c'est pour moi, là, il faut avorter. Et vous avez donné des témoignages. Voilà. Si c'est pour moi, il faut avorter. Si l'enfant là, tu laisses la grossesse, c'est que ce n'est pas pour moi. Et tu n'as pas voulu faire l'avortement, tu as laissé l'enfant. L'enfant est né, l'enfant grandit, et puis il t'appelle un jour, il te demande, puisqu'il s'est renseigné, il a appris que non, tu as laissé la grossesse, tout ça. Il te demande, est-ce que l'enfant va bien, tout ça là. Tu dis, fous-moi, l'enfant n'a pas pour toi. C'est pas pour toi, là. Pour toi que tu as dit d'avorter, là. Tu as dit que j'avais d'avorter. Alors, ce qui est, ce que j'ai ici, là, ça, c'est pas pour toi. Donc, il faut avancer. Alléluia. Alors, le Seigneur, maintenant que tu as connu la scène, donc le Seigneur te dit, cet enfant, tu n'as pas fait seul. Qui est son père? Tu connais bien son père. Tu dois faire connaître la paternité. Alors, de l'enfant. Alléluia. Tu dois donner la paternité de l'enfant là, à celui dont il est dû. C'est aussi une restitution. Tu dois faire une restitution ici. Tu dois le faire, oui. Tu le fais pour ta vie. Tu le fais pour ton âme, pour ton salut. Tu ne le fais pas pour lui faire plaisir ou pour retourner avec lui
ou bien pour profiter de ses biens ou quoi que ce soit. Tu le fais pour ton bien, pour le bien aussi de l'enfant. Et en le faisant, tu seras en train d'accomplir la parole de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Dans la restitution, là, c'est pas seulement quand on a volé, là, on a pris l'argent dans le passé, donc c'est l'argent qu'on doit rembourser. C'est pas l'argent qu'on doit rembourser. Et on a donné beaucoup de détails. Ça fait le, je crois, le troisième dimanche où je reviens à chaque fois sur ce dont on avait parlé le dimanche précédent. Parce qu'on n'est pas nombreux. C'est normal qu'on fasse ce rappel. Alléluia. Tout à l'heure, quand le Seigneur va venir, regardez comment nous sommes bien habillés. Regardez comment nous sommes tous beaux ce matin. Lorsque le Seigneur va arriver, tu as l'apparence de son enfant. Alléluia. Tu as un air joyeux. Tu as un air défait. Ok. Mais il va chercher en toi aussi sa parole. Ça veut pas vous aller lire dans Romains chapitre 8, verset 13. Romains chapitre 8, verset 13, dit quoi? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Vivre selon la chair, c'est vivre sans la parole de Dieu. C'est vivre sans le mandat, c'est ce que le Seigneur t'enseigne. Alléluia. Amen. Comme les personnes, par exemple, qui, quand elles viennent à l'église, elles sont bien voilées. Quand elles, on vient dans des rencontres, elles sont bien voilées, mais à la maison, elles ne se voilent pas. Là-bas, tu vas prendre des semences, des flèches, et c'est nous, on va venir vomir en train de faire ta délivrance. Alléluia. Amen. La parole de Dieu là, elle se met en pratique partout. Lorsqu'on nous enseigne, l'enseignement ne reste pas dans le lieu de prière ou dans le temple. Et l'enseignement là doit rester dans notre esprit. Quand on partait à l'école, on bossait dur. On voit des personnes qui bossaient. De 21h jusqu'à 2h du matin, 3h du matin par là, ou bien de 1h par là, 21h par là. On cherchait quoi? En bossant de 21h à minuit, on cherchait quoi? La réussite, le succès dans nos études. Pas de succès dans nos études. Puisqu'on sait très bien que les BTS, les masters, et je ne sais pas si c'est doctorat, et tous ces diplômes que nous pouvons avoir, tout sort de travail que nous pouvons avoir, nous savons très bien que cela ne va pas donner la vie, le salut à quelqu'un. Le Seigneur nous fait la grâce de travailler, ce n'est pas mauvais. Mais une chose que nous ne devons pas négliger et oublier, c'est de retenir la parole de Dieu. Alléluia. Parce que même la parole de Dieu, les démons vont utiliser cela, Satan va utiliser cela, va pointer des nous comme là, des versets contre nous. Au début, tu partais à l'église, tu faisais ceci, tu t'es débrouillé, tu as fondé la tête d'autre, mais oui. Ou ouais, dans le début, comment Satan, quand lorsqu'on tombe sur lui, il nous parle avec arrogance. Ou ouais, dans la délivrance, lorsqu'on tombe sur Jézabel, comment est-ce qu'elle se moque? Et comment est-ce qu'elle donne garant aux jeunes frères, aux jeunes soeurs, et même aux hommes de Dieu? Bien aimé, c'est pas intéressant que tu viennes à l'église. On donne une exhortation et que tu ne retiennes pas. Alléluia. Ce n'est pas normal. Quand on dit, voilà une servante de Dieu, j'ai rencontré serviteur de Dieu. Et si on s'approche de toi pour te poser des questions, parce qu'on voit ton dépouillement, on voit vraiment ton zèle. Mais qu'est-ce que la Bible dit concernant de voir le servant de Dieu? Et moi, je voudrais savoir. J'apprends souvent que la boisson, on peut boire. Bon, tout ça. Mais quelque chose me dérange, c'est qu'on parle souvent de restitution. Mais il n'y a pas eu restitution à quelque part. Restitution, ça veut dire quoi? Et comment on fait ça? Oh, toi, on t'a déjà enseigné. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que tu ne connais pas? Tu vas dire que tu ne connais pas la restitution, quoi? Tu vas lui dire que, attends, moi, je vais aller voir mon pasteur. Alléluia. Amen. Attends, je vais aller voir mon pasteur. Sinon, je vois, il avait enseigné ça un peu, mais... Non, le frère, en cas de, on va se donner rendez-vous. Tu vois, là, comme ça, on va bien poser. Tu m'expliques. Je vais quelque part.
Alors comme on a perdu des personnes, je dirais qu'on a laissé des âmes que le Seigneur voudrait gagner par nous. Parce qu'on n'a pas eu réponse à la question, on a fui. C'est pourquoi nous devons avoir la parole de Dieu. Tout va passer, mais la parole de Dieu va rester. Tout va finir, mais la parole de Dieu ne finira pas. Ce qui nous réunit aussi, non seulement le nom de Jésus, mais Jésus a des enseignements. Ne faisons pas comme... Comment on appelle ça? Ne faisons pas comme nos voisins, les musulmans, ou des gens des catholiques. D'abord, on ne veut pas le louange. Et on peut plus vraiment plaisir, on fait comme ça. Alléluia. Ne faisons pas comme ces personnes-là, qui vont à l'église, qui n'ont même pas une Bible. Une Bible entière. Dans le prospectus qu'on leur donne, afin de les détourner de la vérité. On n'est pas qu'ils lisent la parole de Dieu pour en découvrir la vérité. Oui, découvrir plutôt la vérité. J'ai rencontré nos voisins, les musulmans. Ils ont des raisonnements pas possibles. Si tu n'as pas la Bible, tu ne sauras pas le répondre. D'ailleurs, lui, il va t'énerver. Et si tu es quelqu'un qui est rapide à la colère, alors tu vas prendre des sémences tout de suite. Parce qu'ils ont fini, avec soulever la colère des gens. Ils ont fini avec énerver les gens. On a un petit sujet que plusieurs chrétiens ne maîtrisent même pas. Il va te demander, vous dites que Jésus est Dieu, comment est-ce qu'il est Dieu? Donne-moi la comment. Parce que cette partie-là, cette petite phrase-là, ça les énerve. Et ça les pousse même à lapider les chrétiens parfois. Oh, Jésus est Dieu. Un chrétien, vous pouvez vous le justifier, vous le qualifier de Dieu. Depuis quand il est Dieu? Bon, prouve-moi qu'il est Dieu. Prouve-moi par dans ta Bible qu'il est Dieu. Moi, je vais te prouver par le Coran qu'il n'est pas Dieu. Tu lui diras quoi? Alléluia. Donc, c'est ça. Le problème n'est pas de venir et puis donner un enseignement. Et alléluia, amen, et puis je ne sais pas. Est-ce que tu as retenu? Est-ce que tu as retenu ce qu'on a dit? Qu'est-ce que tu as retenu? Demandez pas si j'avais dit des choses. Beaucoup de choses. C'est plusieurs d'entre vous. On levait les mains, on dit des choses, on posait des questions. Mais aujourd'hui, je demande un silence. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Que le Seigneur se révèle à toi. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du baptême. Alléluia. Nous allons parler un peu du baptême. Du baptême d'eau. Nous allons brièvement parler du baptême d'eau. D'autres ont été étonnés. On trouve ça bizarre dans la sainte doctrine. Dès que tu acceptes le Seigneur, s'il y a possibilité et s'il y a de l'eau quelque part, alors on va et puis on te baptise. Et nous voyons toutes sortes de baptêmes aujourd'hui. Alléluia. Des baptêmes dans piscine, des baptêmes dans quoi là? Je ne sais pas. Des baptêmes dans piscine, des baptêmes par, je ne sais pas, un petit gobelet, des baptêmes par une canne là, des pistolets en caoutchouc, tout ça. On a vu ça dans le coronavirus. Je ne sais pas si d'autres ont vu ça. Voilà, le prêtre il est de loin et puis il a les yeux des enfants. Voilà, on met le nom de pisse. Le prêtre il est au loin. Et puis parce qu'on dit qu'on va s'approcher dans le carré, donc il est au loin, il prend le pistolet à caoutchouc là. Et puis il baptise l'enfant. Il y a un an qui est là. Il baptise les personnes. Et il met comme ça. Ça baisse dans ta tête là. Puis, et puis voilà, tu passes. C'est le baptême. Alors c'est la coronavirus. Vidéo même direct sur Facebook. Ils n'ont pas honte quand ils font les choses parce qu'ils ont leurs serviteurs aussi. Ils ont des adeptes qui les suivent. Alléluia. Voilà. Donc, on va parler un peu du baptême. Alléluia. Quand il y a le baptême par immersion, qui est de plonger la personne totalement dans l'eau et de faire sortir la personne. Et le baptême aussi par aspersion. Quand on prend l'eau et on verse sur la tête de la personne, soit par un gobelet, ou soit par un récipient, ou soit par une canne là. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le pistolet en caoutchouc là, qu'on prend pour asperger sur la tête de la personne. Alléluia. Mm-hmm. Nous avons vu ça. Tu vas prendre Acte. Acte des apôtres, chapitre 2, verset 38.
Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, le verset 38. Vous avez trouvé, j'ai dit. Vous avez trouvé? Ok. J'ai lu la parole, lui, avec respect. Acte chapitre 2, le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors, aujourd'hui, disons, on a vu beaucoup de fois, et dans certaines vidéos, on est passé, donc la fois dernière, il y a des baptêmes qu'on a entendus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons donner un peu de détails, en bref, parlons. Alléluia. Ici, il s'agit de quoi? Je reprends le passage pour que tu puisses comprendre. Pierre leur dit, je vais commencer au verset 37. Voilà, pour qu'on puisse comprendre. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Verset 38 maintenant, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia. Amen. On a tendance à voir on va mentionner beaucoup de versets. Alléluia. Je vais prendre encore Galates 1, verset 11, verset 16. Galates chapitre 1, verset 11 à 16. Vous qui notez, vous allez les noter et on va aller dans le méditer. Galates 1, verset 11 à 16. Galates 2, le verset 1. On a noté ça? Galates 1, verset 11 à 16. Et puis Galates 2, verset 1. 1 Pierre 3, 3. 1 Pierre 3, le verset 3. Alléluia. Galates chapitre combien? Galates chapitre 11 à 16. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite
dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Alléluia. Et le second passage, c'était Galates 2, verset 1er. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Ici, nous avons l'apôtre Paul qui était en train de parler ici. À commencer par le baptême. Alléluia. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, nous connaissons plusieurs types de baptême aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le baptême par aspersion, comme les gens le font dans le catholique et dans bon nombre de religions. Alléluia. Ou on ne mouille pas la personne parce que là-bas, bon, les gens sont tellement respectés. Ils vont créer leur système à eux. Voilà Jésus. Ils vont créer leur système à eux. Cependant, ce que le Seigneur nous recommande, c'est quoi? Ce n'est pas ce genre de baptême-là. Il faut faire, je ne sais pas, à distance ou bien par immersion. Et premièrement, qu'est-ce qu'ils font? Normalement, le baptême doit se faire dans l'eau qui coule. Alléluia. Parce que le baptême, là, c'est d'enterrer tes péchés. Alléluia. C'est de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Alors, si je prends une eau, par exemple, on a un récipient, il y a là, on prend de l'eau, chacun lave la main. Moi, je lave ma main. Toi, tu viens, tu laves la main. L'eau vient, lave la main. Au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? L'eau devient sale. Alors, le dernier a lavé la main. Il va prendre toute la saleté des autres. Lorsqu'on baptise quelqu'un dans, par exemple, une piscine, l'eau qui est arrêtée, lui est venu, son péché est resté. On le met là-bas. L'autre est venu, son péché est resté. On le met là-bas. Et tous ceux qui vont venir désormais, alors, elle aussi, ils tombent dans la même souillure. Alléluia. Voilà pourquoi le baptême, premièrement, doit se faire dans une eau qui coule. Mais déjà, on trouvait un système maintenant, on baptise dans la piscine. Alléluia. Amen. Voilà, n'importe où, voilà, où la piscine, mais c'est quoi, on peut baptiser. Gloire à Jésus. Amen. Quel était le second passage? Vous avez noté. 1 Pierre 3, 3. Après, c'est 1 Pierre 3, 3, j'avais donné le passage. Acte 2, verset 38. Non, ça c'était le premier passage. Allez, je vais prendre Acte 16, 31. On va prendre Acte 16, 31. Acte 16, 31. Je vais pas
à 16 ans. Quelqu'un pouvait l'administrer. Par les apôtres, chapitre 16, verset 31, on dit, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, quand, Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, verset 27, verset 28. Actes chapitre 8, verset 27, dit quoi? Il se leva. Et partit. Et voici. Un Éthiopien. Un Eunuque. Ministre de Candace. Oui. Reine d'Éthiopie. Oui. Et surintendant de tous ses trésors. Venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lui lisait. Le prophète Ésaïe, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Mm-hmm. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Oui. Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Mm-hmm. Il n'a point ouvert la bouche. Oui. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Oui. Et sa postérité qui la dépeindra. Mm-hmm. Qui la dépeindra? Oui. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que de lui-même ou de quelques autres? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Amen. On va prendre Matthieu. Matthieu chapitre 3, partie du verset 13, verset 15.
Et la parole du Seigneur. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni, servant de Dieu. Je veux revenir sur ce sujet. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire à quelqu'un. Concernant le baptême, tout baptême qui est fait, alléluia, tout baptême qui est fait, soit dans, que ce soit par immersion, parce que nous reconnaissons que le baptême par aspersion, ce n'est pas un baptême qui est déjà. Alléluia. Amen. Baptême où tu es arrêté en main de l'eau sur ta tête, que ce soit, tu sois à genoux, il y a même des exemples comme ça qu'on voit dans ces faux films de Jésus là. Voilà, nous voyons ça. Où l'homme est à genoux, on prend l'eau avec les deux mains et on met sur la tête. Alléluia. Amen. Tout baptême qui est fait, alors qui n'a pas été fait selon la parole de Dieu, selon les règlements de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. N'est pas un vrai baptême. Gloire à Jésus. Amen. Ça peut être même baptême par immersion. Où on te plonge dans l'eau, on te fait sortir. Par exemple, je prends le baptême des gens de mission, comme la, je crois, de mission mondiale, évangélique, comme ça. Il y a des églises aujourd'hui que lorsque on t'a plongé dans l'eau, lorsqu'on t'a, on t'a baptisé, tant que tu n'as pas encore parlé en langue, c'est que ton baptême n'est pas encore clos. C'est que ton baptême n'est pas encore fait. Ton baptême n'a pas réussi, voilà, disons. C'est que ton baptême n'a pas réussi. Il faut que tu parles en langue. De la même chose, t'arranger là, il faut que tu t'arranges pour parler en langue. Si c'est pour mentir, il faut mentir. Et le peu que tu connais là, il faut faire. Si là, la personne comprend un peu d'anglais, là, on est foutu. Tu vas parler sa langue, tu vas mélanger l'anglais, tout ça. Donc, ça, c'est le parler en langue. Pour le parler en langue, là, ou le parler des langues, c'est un don que le Seigneur donne à ses enfants. Alléluia. C'est un don que le Seigneur fait à ses enfants. Tout le monde ne parle pas en langue. Même les grands hommes de Dieu que le Seigneur a utilisé, puissamment, ils ne parlent pas tous en langue. Alléluia. Amen. Et ici, la sainte doctrine du Seigneur nous a dit quoi? Tout baptême qu'on a fait, la fois dernière, où le pasteur avait une bague de mariage sur son doigt. Alléluia. Tout baptême qu'on a fait, où le pasteur, le pasteur et sa femme nous ont baptisés, et la femme était en collant, et puis on allait nous baptiser. Il y a des moments, pasteur, on a vu des, nous, comme on a des baptêmes, où mon pasteur, c'est le moment pasteur qui fait le baptême. Et elle est en collant. Ou elle a un accoutrement des membres là. Et puis ça m'a fait du baptême. Alléluia. Amen. Et je veux te rappeler que aujourd'hui, il y a beaucoup de contradictions dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de contradictions. Gloire à Jésus. Dans la parole de Dieu, il y a aujourd'hui beaucoup de contradictions. Le véritable baptême, c'est lorsqu'on te plonge dans l'eau, qu'on te fait ressortir. Tout ton corps doit être mouillé et on te fait ressortir. Pour certains, dans les écrits de l'avant l'âge, nous autres, quand j'étais encore dans l'eau, c'est pour ça que j'ai été baptisé. Alléluia. Amen. En me plongeant dans l'eau et en me faisant sortir. Mais c'était au nom de qui? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, si nous revenons sur le premier passage, alléluia, Amen. Qui est Actes chapitre 8, alors Actes chapitre 2, le verset 38, nous allons relire ça.
lis la parole du Seigneur. À chapitre 2, verset 38, nous dit, puis elle leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, qui elle leur dit, ce jour-là, il avait exhorté. Et après que des gens, le peuple qui était là, la foule qui était là, ayant entendu la parole de Dieu, étant touché par cette parole-là, ils m'ont dit, mais si c'est ainsi, oh frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que nous on doit faire? Voilà Jésus. Amen. Parce que quand nous lisons dans Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, le verset 16. J'ai lu la parole de Jacques. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, après les avoir exhortés et leur avoir fait comprendre que s'ils ne quittent pas leur péché, ils ne sortent pas de leur vie de péché, et ils ne se font pas baptiser, ils ne seront pas sauvés. Et bien d'autres choses. Ayant entendu le message de la sainte doctrine, ayant entendu le message sur toutes ces choses, alors ils se sont dit que, quoi qu'ils connaissent la loi, quoi qu'ils connaissent beaucoup de choses, ils ont leur connaissance à eux, ils ont leur sagesse à eux, leur intelligence à eux, ils leur manquaient quelque chose. Et ils vont demander aux apôtres, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre va prendre la parole pour le dire. Ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir de vos péchés et de vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans certains détails. C'est pourquoi je suis voir tout ça. Maintenant, je vais comprendre que je sois quelqu'un. Des gens se demandent, mais il a aussi dit, il a dit que nous, on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et une fois, il y a un frère qui nous a posé cette question-là. Et vous avez tout dit, tout ce que vous avez dit là, j'ai compris. C'est vrai. Mais, concernant, on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne suis pas d'accord. Il était à Bassam. Il dit que ce côté-là, il ne comprend pas ça. Alléluia. Parce que normalement, lui, il a fait ce baptême, il ne pense pas que c'est un mauvais baptême. Parce que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est biblique que nous, on fasse un baptême comme ça. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir? Qui est le Père? Qui est le Fils? Et qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Dieu manifesté en trois formes. Un Dieu de Trinité. Il se regroupe en un seul nom, qui est le nom de Jésus. Alléluia. Alors, tout baptême qui a été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est à refaire. Et même tout baptême qui a été fait au nom de Jésus, mais dans les églises de la voie large, de l'autre côté, le Seigneur a dit, tous ceux qui sont venus à la sainte doctrine, quoi qu'ils se soient fait baptiser l'autre fois, ils doivent revenir à leur baptême. Les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, et qui que ce soit, ils doivent revenir à leur nouveau baptême. Alléluia. Amen. Et encore, ils passent à la télévision. Voilà Jésus. Le baptême dont le Seigneur agrée, dont le Seigneur juge bon, c'est le baptême qui est fait selon lui et non selon la distraction des hommes. Où l'homme et la femme font le baptême, la femme n'est même pas voilée, elle a des cheveux sur la tête et on s'en va faire le baptême.
Tout baptême qui a été fait où l'homme de Dieu avait une bague d'alliance sur la main. Et nous a baptisés. Ce baptême-là, Dieu ne prend pas plaisir de ça. Alléluia. Et comme je l'avais dit auparavant, tout baptême fait dans la piscine, dans une eau arrêtée. Ce n'est pas un baptême qui est fait selon le Seigneur. Qui ici avait déjà été baptisé avant de connaître la Sainte Doctrine? Qui ici est déjà baptisé? Pas ici, hein, mais a été déjà baptisé de côté là-bas. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Non, mais ce n'est pas ceux-là qui ont déjà fait le baptême de la Sainte Doctrine. Il n'y a pas de nouvelles personnes, bon, qui ont déjà fait un baptême à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà. Donc, voilà un peu des détails. Pour nous faire comprendre que le baptême dont le Seigneur prend plaisir. Parce que le baptême aussi compte. Gloire à Jésus. Les gens donc, disent comme ça que est-ce que le baptême là, c'est obligatoire? Alléluia. Quand on a lu Marc chapitre 16, le verset 16, il dit que celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Et mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Une chose est de croire. Mais secondement, il se fait baptiser. Mais de quel genre de baptême? Alléluia. Amen. De quel genre de baptême? Un baptême au nom de Jésus. Un baptême au nom de Jésus. Et non, un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Voilà Jésus. Aussi, tout baptême donc qui a été fait dans une église qui a été, où les femmes portent les mains, où les femmes portent tout ce qu'on peut porter. Voilà. Elles portent tout ce que le Seigneur interdit. Maintenant, 1 Timothée 2, c'est le Seigneur. 1 Timothée 2, verset 9. Timothée 2, verset 9, dit ceci, nous connaissons bien ce passage. Le Seigneur dit, il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alléluia. On reprend. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente. Le Seigneur dit qu'il veut que les femmes se vêtis d'une manière décente. Alléluia. Comme vous êtes vêtus. Vêtis d'une manière décente. Alors, dans cette église-là, on ne calcule pas les vêtements, l'habillement, selon le Seigneur. Chacun s'habille selon son bon vouloir. Chacun s'habille selon qu'il veut. Et puis il vient. La femme du pasteur, même, elle a les faux cheveux sur la tête. Elle porte des mini, voilà, qui se limitent aux genoux. Les jupes se limitent aux genoux. Elle a ses mollets qui sont là. Elle a les parties de son corps qui sont là. Et des vêtements qui coupent ici. Nous, on voit les essais, tout ça. Donc, on est dans la désobéissance. Et on sert le Seigneur. Donc, ce genre de milieu-là, où on s'habille comme on veut. Alléluia. Amen. Où on porte toutes sortes de vêtements comme on veut. Pensez-vous que Dieu prend plaisir de ce genre de milieu? Alléluia. Amen. Pensez-vous que Dieu puisse descendre là, dans ce genre de choses-là? Si le Seigneur doit intervenir là, c'est de se révéler à eux. Pour dire que vous n'êtes pas en train de faire ma volonté. Vous n'êtes pas en train de m'obéir. On avait plusieurs frères qui nous ont dévancés. Nos grands frères, nos grandes soeurs qui étaient vraiment zélés dans la fête de Dieu là avant. Quand on le voit vraiment, on les regardait, on était vraiment fiers. Et c'est eux là qui nous disaient, viens, il faut donner ta vie, il faut quitter dans ça, il faut quitter dans ceci. Aujourd'hui, ils ont retrouvé. Aujourd'hui, ils ont retrouvé. Aujourd'hui, c'est eux là qui ne s'asseyent plus. Ils bougent partout. Quand tu es pas de Dieu, c'est comme si tu. C'est-à-dire que tu l'avais insulté.
Moi, j'ai par exemple un grand frère qui était dans le début, qui était vraiment, c'est quelqu'un de don, il chante, il joue à la guitare. La guitare, il n'a pas appris. Demain, il a fabriqué guitare. Il a coupé voix au chant. Il a fabriqué pour lui. Il a fait premièrement, ça a échoué. Deuxième fois, ça a échoué. Troisième fois, il a réussi. Il a fabriqué la guitare à trois cordes. Il a fait ça. Et il chantait sur ça à la maison. On était déjà été étonnés. On était vraiment étonnés de ce don-là. Non seulement il a fabriqué, mais il a appris à jouer lui-même. Et il a su jouer. Et dans l'église du baptême, je crois que c'était, je pense que c'était quelle église là. Oui, premièrement, c'était l'église Sema. Et il a continué là-bas avec eux. Dans les répétitions, tout ça, il était devenu maintenant fort. Et il était simple. Il ne fumait pas, il ne buvait pas, il était simple. Mais regardez ce qui va se passer. Les temps qui vont suivre, il va rétrograder. Il va rétrograder, il va faire, il va commencer à rentrer par-ci, par-là. Aujourd'hui, je vous parle là. Il a plus de 5 enfants de mères différentes. Il y a 5 enfants, chaque enfant a sa maman. Et bizarrement, ce ne sont que des garçons seulement. 5 enfants de mères différentes. Le grand, actuellement, il doit faire la première, la terminale, comme ça, hein. Je ne sais pas. Il y a des enfants que nous, on ne connaît pas. Et que lui-même, il n'a jamais mis pied là-bas. C'est le début qui va là-bas. Et ce dernier-là, si tu voyais son zèle avant, il faut laisser. Mais qu'est-ce qu'il a découragé après? C'était les attitudes dans l'église. La chose qu'il n'a pas fait, je pense que c'était le baptême qu'il n'avait pas fait là-bas. Mais il a parlé des églises, le Pentecôte, un baptiste là-bas, un baptiste, pas un baptiste, une mission. Et puis, c'est ma, et quelques églises qu'il a fait. Il était fatigué, il est sorti. Et quand tu lui demandes, il dit, je vais faire l'église là. Les gens, ils mentent trop. On ment trop là-bas. Il passe une vraie avec la cigarette comme ça, et puis il ment devant moi, il sait que c'est mensonge. Et puis, église où tu vas, tu as vu comme ça, avec le petit, tu as fait deux dimanches avec le même habillement, on va te regarder, jusqu'à on va te regarder. C'est un lieu de sapement. C'est la sape qu'on fait là-bas. Donc lui-même, pour finir, il était découragé. Il est sorti. Quand il s'assoit, il parle mal des chrétiens. Non. Il faut vraiment la Bible pour le convaincre. Même quand il prend la Bible, il dit quoi? Alléluia. Oh, au moment où il partait à l'église là, on était pequené comme ça. Il ne fait pas C1 comme ça. Et puis il partait à l'église. Il a un niveau CM2 seulement, mais quand il prend la Bible, il lit la Bible correctement. Et puis il exhortait des personnes. Il y a déjà plusieurs de ses connaissances qui sont venus dans l'église à cause de lui. Quand il est sorti, le moyen est sorti. Et de nos jours, nous voyons aussi beaucoup de bien-aimés aujourd'hui qui nous ont demandé dans l'église, comme à l'église, qui ont connu, d'après eux, qui ont connu la vérité avant nous, qui ont connu le Seigneur Jésus avant nous, et qui nous donnent des conseils aujourd'hui. À quel niveau ils sont? C'est parce qu'il n'y avait pas la vérité là. Quoi qu'ils ont leur comportement en eux. Mais c'était eux, c'est réellement le Seigneur. Mais il n'y avait pas la vérité là-bas. En un lieu où la parole de Dieu n'est pas prêchée en tout, dans sa totalité, dans son intégralité, quel que soit le zèle, quel que soit ton courage, quel que soit, je ne sais pas, ce que tu vas faire, tu seras limité. Tu vas finir par sortir. Même que ça même, tu te rends compte. Alléluia. Amen. Une autre chose, on nous a dit que pour faire le baptême, il va falloir qu'on passe par les cours de baptême. Alléluia. Amen. D'autres disent qu'il va falloir qu'on passe par les cours de baptême. Donc on va faire le cours, on va expliquer d'abord en long et en large à ces personnes pour connaître. Ils doivent d'abord connaître bien Jésus, ils doivent connaître bien la parole de Dieu, ils doivent connaître ceci, cela, et on a fait ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il faut faire des cours de baptême? Forcément. Alléluia. Amen. Avant de se faire baptiser. Acte chapitre 2, le verset 38, c'est ce qu'on avait lu, non? Acte 2, le verset 38 qu'on avait lu, nous disait simplement que Pierre leur a répondu. Après avoir enseigné le message d'enseigne doctrine, les éléments d'enseigne doctrine,
Et quand ils ont entendu tout ce que les hommes de Dieu avaient dit, ils disent, ah, là, non, toi comment? Dieu ne leur a pas dit que venez d'abord, retrouvez-nous dans tel point, vous allez passer par un temps d'enseignement, on va vous donner un coup de baptême, et puis vous allez passer par les autres baptêmes. Et lui a simplement dit que, là où on est arrivé là, puisque vous savez déjà que vous reconnaissez dans tout ce qui a été dit. Alors, pour être sauvé, vous devez alors vous repentir premièrement. Si vous repentez sincèrement, et que chacun alors se met en ordre, maintenant on va passer, vous allez passer par les eaux du baptême. Alléluia. Vous allez passer par les eaux du baptême. Lorsque, pour ceux qui sont à l'ambassade, et je crois que dans les enseignements, les hommes de Dieu, avec la parole de Dieu, ont eu à donner ces détails. Alléluia. Voilà. Donc, la repentance et puis revenir maintenant. Pour passer aux eaux du baptême. Et non faire le coup de baptême sur un mois, sur deux mois. Alléluia. Mmh. Et quand on est de l'autre côté là-bas, il y a des coups de baptême qui fait. Bon, deux mois, trois mois, quand on doit baptiser, on dit, bon, telle personne n'est pas dedans, telle personne n'est pas dedans, telle personne n'est pas dedans. On ne te dit pas, pourquoi est-ce que toi tu n'es pas dedans? On t'en va baptiser les autres, on te laisse. Et chaque baptême a sa génération, donc, quand l'autre génération va venir encore, tu te mets dedans, on dit, bon, tu ne verrais pas tout le temps au cours. Donc, c'est plus vite, on prend ton cahier n'est pas à jour, tu n'es pas admis. Alléluia. Amen. Voilà. Un homme de Dieu nous disait comme ça que, lui, son baptême, là, il a fait ça c'est 6 mois. Et 6 mois, le pasteur a dit que il n'était pas prêt. Donc, il n'a qu'à attendre d'abord. Et l'année qui a suivi, là, et encore, il a fait en même 6 mois encore. C'est là qu'il a été apte, le baptême. Mais je me demande, une fois quand j'étais encore de l'autre côté, là, on me posait cette question-là, mais j'avais des raisonnements et sans fondement. Je me demande si, pendant ce cours de baptême, là, la personne n'étant même pas réellement, ne s'étant même pas bien repenti, mourait. Où est-ce qu'il va se retrouver? Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on a connu la parole de Dieu, lorsqu'on a connu, par exemple, Jésus, lorsqu'on a connu la vérité, la repentance est maintenant. Alléluia. Amen. Pour se mettre en ordre maintenant. Voilà Jésus. Amen. Et non pendant sur un mois, sur deux mois, pendant un bon moment. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on a connu la sainte doctrine, quand moi je suis arrivé à Bassam, le premier enseignement sur le baptême, j'étais assis à distance et puis j'ai écouté jusqu'à la fin. J'ai dit, non, quelle différence. Moi, on n'avait rien à prier. Le deuxième enseignement sur le baptême, je me suis approché et puis j'ai écouté. Ça, il n'était pas resté là-bas jamais. Je me suis approché un peu de moi. C'était le samedi sur Pierre et à ce qui. Et puis j'ai écouté. Oui, là, c'est encore fort. Hein. Et c'est le troisième samedi, que je suis allé m'asseoir. La deuxième fois, l'homme de Dieu il m'a dit comme ça, que, mon bien-aimé, viens toi écouter, combien de temps t'as posé ce qu'il dit, homme de Dieu. Je ne sais pas arrivé là-bas. Et la troisième fois, je suis parti m'asseoir, puis j'ai écouté. Avec les passages bibliques qu'on a pris, avec beaucoup de vérifications. Mm-hmm. Wow. La parole de Dieu est vraie. Alléluia. Amen. C'est là que j'ai été convaincu. Voilà Jésus. Et c'est comme ça que je me suis fait baptiser. Après quoi, puisque j'étais parti à mes parents, papa, maman, et puis une bien-aimée qui était là. Et nous avons passé par les eaux du baptême. On croyait qu'on était bien, on était vraiment dans la vérité. Voilà, on croyait qu'on était déjà baptisé. Pour d'autres, ils disent comme ça que le baptême ne se refait pas deux fois. Ça ne se refait pas. Quand tu es baptisé une fois, c'est fini. Si c'est un faux baptême. Si c'est un baptême qui n'a pas été fait selon la parole de Dieu, sur les bases de la parole de Dieu. Dans une église où je me suis baptisé, par exemple, où nous, quand même là, le pasteur et sa femme portent des bagues d'alliance. Dans l'église, on porte des bagues partout. On s'habille comme on veut. C'est vrai, tu as été plongé dans l'eau comme le Seigneur le demande par immersion. Mais cette immersion n'a pas été. Elle n'a pas été approuvée par Dieu parce que ce n'était pas de l'eau à boire. C'est tellement simple, comme de l'eau à boire. Alléluia. Amen. C'est pas vous qui êtes là.
qui n'avait pas encore passé par les eaux du baptême. Assurément, je suis sûr que quand l'homme de Dieu sera là bientôt, comme ils l'ont dit jusqu'à août, ils seront là. Alléluia. Amen. Et Dieu voulant, peut-être qu'ils vont faire une ou deux semaines avec nous. Gloire à Jésus. Amen. Et tous ceux-là qui n'ont pas encore fait le baptême, ici à la Sainte Doctrine, vont passer par les eaux du baptême. Alléluia. Amen. Passer par les eaux du baptême. C'est ainsi que tu verras la main de Dieu. Moi, de l'autre côté là-bas, quand on baptisait, par exemple, quand on nous baptisait, on finit de baptiser, soit c'est le pasteur qui te regarde, et puis te donne un nom. Si ça lui plaît, ou bien s'il est inspiré, te dit, toi, tu vas t'appeler ça. Voilà. Ou soit, bon, tu peux, avant même le baptême, et parce que tu lui réponds, toi, on, toi tu vas t'appeler quand inspiré par le Seigneur, d'après lui. Et puis, bon, pour ceux qui vont dans les eaux du baptême, il y a d'autres, on leur trouve un nom, il y a d'autres aussi, on leur trouve pas le nom. Alléluia. Amen. Donc, moi, non, le premier baptême que j'avais fait, c'était à MEFA, Mission évangélique de la foi en nation. Voilà. C'était à Paul ici, avec l'apôtre Thierry. Et ce baptême-là, ce jour-là, quand on a fait le baptême, l'homme de Dieu m'a regardé, il m'a affiché dans les yeux. Il dit, c'est quand même Moïse qui a fait un peu ici. J'ai dit, ah bon? Moïse, hein? Alléluia. Moïse, alléluia, gloire à Jésus. Et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mais ce nom Moïse là, je n'étais pas trop connu, on ne m'appelait pas par ça. Mais regardez, pendant les vacances, je vais aller à San Pedro. Et mon grand frère qui aimait beaucoup se moquer de moi. Et voilà, je suis le chrétien de la famille, m'appelait Pasteur, Pasteur. Donc quand il est arrivé cette fois-ci, il dit, lui, on va l'appeler Pasteur Moïse. Je l'ai vu, même pas, personne ne sait qu'on m'a donné le nom de Moïse. Et on va l'appeler Pasteur Moïse. Donc ça m'appelle maintenant Pasteur Moïse. Quand on m'appelle Pasteur, parce qu'il répond, ah, Pasteur, toi aussi, quoi, on t'appelle, faut répondre un peu. Donc, il peut être à vous moquer. Or, bon, je disais que c'était un bon moment, après ça, c'était en 4e, 5e, que le baptême a été fait depuis. Donc, je me suis rappelé, j'avais oublié, puisqu'on ne m'appelle pas par le nom de Moïse. Donc, quand il se moquait, tout ça, ça m'énervait souvent. Et un jour, j'étais assis avec le Seigneur, on m'a rappelé que j'entends dans mon esprit. On t'appelle Moïse, et puis tu te plains. Tu as oublié que le nom de matin, on t'appelle. C'est Moïse. Il est dans la révélation, il ne sait pas. Il faut le laisser comme ça. C'est vrai. Mais néanmoins, on ne m'appelait pas par ce nom. Mais lorsque je suis arrivé à Bassam, quand j'ai connu la scène d'autre, je suis arrivé à Bassam, et qu'on m'a plongé dans le sous-sorti, et que les hommes de Dieu étaient en train de prier, les hommes de Dieu étaient en train de prier, à ce que le Seigneur me révèle mon nom. J'ai entendu une cloche là, comme ça, cling, dong, dans mon esprit. Et j'entends Moïse, Moïse. Ce même nom-là, je ne pensais même pas que ça allait être ce nom-là que le Seigneur nous a passé par lequel le Seigneur allait m'appeler. Ce même nom-là va encore résonner dans mon esprit. Deux fois. Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. C'est ton nom. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, le véritable baptême-là, lorsqu'on le fait, le Seigneur te donne un nouveau nom. Alléluia. Le Seigneur te donne un nouveau nom. Ce message-là, je vais revenir dessus. Le Seigneur te donne un nouveau nom. Vous voyez un peu dans l'Ancien Testament, les gens que le Seigneur a eu à changer leur nom, c'était dû à quoi? De Abraham, le Seigneur lui a donné le nom d'Abraham. De Jacob, le Seigneur lui a donné le nom d'Israël. Alléluia. Et bien d'autres personnes, bien d'autres exemples. On a des passages bibliques pour pouvoir rentrer dans les détails. Mais je ne veux pas durer. Alléluia. Amen. Alors, plusieurs aujourd'hui dans cette église-là, ils sont baptisés. Alors, mais en réalité, ce n'est pas un véritable baptême. Non seulement le baptême n'était pas ça. Et après ce baptême-là, vous allez voir, le gars, il est encore dans son copinage, son concubinage, il avait sa copine, et il est encore dans la cigarette, dans la boisson, et on le fait baptiser. On le baptise. Et après le baptême, le baptême, vous verrez quand on parle de Sainte-Seine. Et ces mêmes personnes-là, donc vraiment, on a pris beaucoup de risques. Alléluia. On a pris beaucoup de risques. Si on te donne l'enseignement sur la Sainte-Seine, comment il faut être pour prendre le repas du Seigneur?
toi-même crois que tu es baptisé dans la sainte doctrine, ou bien crois que tu as connu la sainte doctrine, tu vois, en tout cas, tu vas bien te répandre avant de t'approcher là-bas. Alléluia. Amen. Tu vas bien te répandre, c'est pas trop ça. Tu vas pas arriver là-bas. Mais lorsque la fois dernière, on était baptisé là, on vient, on fait une prière, voilà, et puis, on est baptisé, venu vers ma sainte. Il n'y a même pas de bonne répartance en tant qu'il t'aide. Ça vient prendre la sainte. C'est pourquoi vous allez voir que dans ces églises, les malades y demeurent. Parce que, non seulement sous la malédiction du faux baptême, et encore, tu veux te mettre sous la malédiction de la sainte sainte, avec, vivant encore dans ton péché. Donc, quelqu'un qui est encore dans le concubinage, même s'il est responsable dans l'église, ou bien, d'ailleurs, il n'est même pas des responsables s'il est dans le concubinage, Alléluia. Amen. Il ne doit pas venir prendre la sainte sainte. On voit dans ces églises-là où les gens sont avec des femmes qui n'ont pas doté. Ou d'autres sont encore avec leurs copains, leurs copines. Et ils n'ont pas encore renoncé à cette vie d'infidélité-là. Et puis, on leur dit, bon, tu es venu, ça fait un mois déjà. Eux, c'est ça, regarde. Tu es venu, ça fait un mois, ça fait deux mois. Tu as déjà venu dans l'église. Il faut que tu les fasses baptiser. Viens au cours du baptême. Viens faire le cours du baptême. Ou d'autres, même le pasteur, même les forces, vous venez faire le baptême. J'ai rencontré une fille à Talwa ici, quand j'étais même pas encore de l'ancienne doctrine, et qui avait déjà deux enfants, des pères différents. Et elle va m'expliquer comment est-ce que ça a commencé. Elle dit que elle était toute vierge, elle ne connaissait rien de tout ça. Mais elle n'a rien compris. Après que le pasteur lui ait forcé de faire son baptême, quand elle a fini de faire le baptême, elle voit qu'on s'y vit là. Elle couchait avec les garçons de gauche à droite, elle n'a rien compris. Attends-moi ici, une jeune soeur. C'est dans ça là, elle a pris la prime de Bruxelles, elle est partie à l'école, elle a arrêté. Les parents se sont fâchés. Elle est partie avec le premier de l'ancienneté. Après l'accouchement, un peu, elle est quittée encore, elle est encore ailleurs. Donc elle n'est même pas en famille. Alléluia. Amen. Vous voyez? Alors, ce faux baptême que nous avons fait là, on a eu de l'effet sur nous, ou on a eu de mauvais impacts sur nous. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, vous allez voir que d'autres, à peine ils ont fini le baptême, comme d'autres fois, la fois dernière dans les églises, la voix là et là. Après le baptême, c'est vrai, il commence à ne plus venir au culte. Or, c'est pendant le baptême là, c'est après le baptême là que tu dois même te concentrer. Gloire à Jésus. Amen. Après le baptême, il commence à devenir bizarre. C'est pourquoi nous, ici, dans la salle d'octobre, nous devons savoir quelle est le baptême. Il est. Parce que moi-même, pour la première fois, quand j'ai appris, j'ai regardé la vidéo et sur les réseaux sociaux et les enseignements sur le baptême, j'ai dit, ah bon? Tu croyais que c'était la vérité? Maintenant, là, on est en train de dire que tous les baptêmes qui ont été faits dans les églises, les personnes portaient des bagues, ou les femmes portaient des couleurs, les pantalons, tout ça, ce n'est pas de Dieu. Mais ça, c'est fort, hein? Ça, c'est fort, hein? Donc, on dit que tout, c'est ça la question que tu poses, donc tous les autres, là, donc, tout le matin, on va faire ça, je vais venir. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un est bien? Oui, moi, j'ai une question. Je pense que la parole de Dieu que tu viens de nous donner tout de suite, moi, ça m'a beaucoup confié au fait. Mm-hmm. Et puisque moi, j'ai fait un peu l'école catholique. Mmh. Voilà, là où on parle, et quand on parle, il y a une prière là où on parle, quand Jésus est mort, il est ressuscité, il est allé assis à la droite du Père, tout puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. À ce moment, j'aimerais savoir, c'est Jésus lui-même, il est le Dieu ou bien c'est un missionnaire? Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fortifie, mon frère. En réalité, Jésus n'est pas un missionnaire, il n'est pas un saint prophète, comme les religieux le pensent, comme les musulmans le pensent. Ce n'est pas un religieux. T'as vu? Et c'est pourquoi il est important. La fois dernière, j'ai causé avec toi et tu disais que il faut avoir l'habitude de lire la Bible. Il faut avoir l'habitude de poser des questions. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas un missionnaire.
Lisons dans le chant. Chapitre. Jean 1. Au commencement de toutes choses était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. La parole donc d'Isaïe, c'était Dieu. Au commencement de toutes choses là, c'est la parole qui était là. La parole là était avec Dieu et la parole en elle-même était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y a rien qui a été fait sans la parole de Dieu. Sans Dieu, en réalité, qui est la parole. Oui. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. La lumière alors a éclairé dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont point reçu. Et les ténèbres n'ont point reçu. Oui, continue, c'est bon. Il y a un homme envoyé de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir le témoin. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tout croit par lui. Afin que tous crussent par lui. Oui. Et il n'était pas la lumière. Jean lui n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. C'était la véritable lumière. Qui en venait dans le monde. Qui en venant dans le monde. Éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Alléluia. Amen. Continue. Elle était dans le monde. Oui. Et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous celui qui l'ont reçue. Ah, mais à tous ceux qui l'ont reçue. À celui qui croit en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en son nom de devenir enfant de Dieu. Oui. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang, oui. Ni de la volonté de la chair, oui. Ni de la volonté de l'homme, oui. Mais de Dieu. On lit le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole au commencement qui était avec Dieu, qui était Dieu, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Plein de grâce. La parole qui était au commencement et qui était avec Dieu. Qui est Dieu lui-même. Alors, est descendu parmi les hommes. La parole a été faite chair. On va t'expliquer ça. Continuons. Plein de grâce. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et de vérité. Et de vérité. Et nous n'avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, alléluia. Le verset 15 dit quoi? Jean lui a rendu témoignage. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrit. Et c'est écrit. C'est celui dont. Oui. Oui. C'est celui dont j'ai dit. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi. Lui. M'a précédé. M'a précédé. M'a précédé. Car
car il était avant moi. Car il était avant moi. Et nous n'avons tout reçu de sa plénitude. Et nous avons tout reçu de sa plénitude. Et grâce par grâce. Et grâce pour grâce. Amen. Grâce. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, le passage a été long. Maintenant, je t'explique. La Bible dit que au commencement était la parole. Quelqu'un va prêter Actes chapitre 4, verset 12. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Cette parole-là même, elle était Dieu. Et cette parole-là a été la lumière des hommes. Elle est venue au milieu des hommes. Les hommes ne l'ont pas considérée. Est-ce que tu me suis bien? Ça a commencé par la parole. Cette parole a été avec Dieu. Et cette parole-là a dit qu'elle est Dieu. Et cette parole-là, après, elle a été la lumière des hommes. Elle est descendue au milieu des hommes, mais les hommes ne l'ont pas considérée. Qui est celui-là qui est descendu au milieu des hommes? Et les hommes ne l'ont pas considéré. C'était qui? C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, c'est le Seigneur Jésus. Alors, le verset 14 dit que et la parole a été faite chair. La Bible nous dit que Dieu alors est descendu vers les hommes, prenant la forme humaine, parler aux hommes. Alléluia. Prenant la forme humaine pour parler aux hommes. Jésus n'est pas un prophète. Quand nous regardons, quand les musulmans parlent de prophète ou autre, nous prenons Mahomet. Mahomet, il a un père. Il a eu un père. Il a eu une mère. Alléluia. Donc on connaît les noms. Et lui, il a été un prophète. D'après eux, il a été un prophète que Dieu a envoyé. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, voici la différence. Il n'est pas venu au monde par la semence d'un homme. Et il n'est pas venu par une femme qui était déjà dans un foyer ayant des enfants. Par une vierge qu'il est venu. La naissance de Jésus d'ailleurs. Alors, on doit se faire d'abord pour réfléchir dessus. La manière dont il est né. Quel être humain sur la terre est né de cette façon-là, malgré la magie et autres, qui est né de cette façon? Alléluia. Et regarde ce qu'il vient faire. Quand il enseigne ses enfants, quand il parle, il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Car le Père est en moi, je suis en le Père, nous formons un. C'est avec des paraboles que Jésus parlait dans la Bible. Et si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, si tu n'as pas l'habitude de feuilleter la parole de Dieu, ou de faire beaucoup de recherches, tu dois te rendre compte que, tu dois te dire que, effectivement, Jésus est un prophète. Jésus n'est pas un simple prophète. Il est le prophète des prophètes. Il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Qu'est-ce que Actes des Apôtres, chapitre 4, de verset 2 dit? Et la parole du Seigneur. Mm-hmm. Chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut, il n'y a pas salut ailleurs. Mm-hmm. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné, oui. Parmi les hommes. Parmi les hommes. Par lequel nous devons être sauvés. Nous devons être sauvés. Il n'y a pas un autre nom par lequel on peut être sauvé. Si Jésus était, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les passages qui attestent réellement où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Il y a des passages qui sont là. Et s'il veut rentrer dans ces détails, on sera long. Mais je veux dire quoi? Est-ce qu'un homme est capable de donner la vie à son prochain? Est-ce qu'un être humain peut avoir le salut par un autre être humain? Est-ce qu'un être humain en un mot peut donner le salut à son prochain? Lui-même, il cherche le salut, mais il n'est pas parfait. Et quel salut peut donner à son frère si ce n'est que l'exhorter et peut-être lui partager son témoignage? Mais la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel on va rentrer au ciel, par lequel on aura la vie, si c'est le nom de Jésus. Alléluia. Mm-hmm. S'il était un saint prophète, comment est-ce qu'il parle de ces gens? Lisons Jean 14, verset 6. Jean
Jean 14, verset 6. C'est moi le passage, je vais lire. Jean 14, verset 6 dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La parole de Dieu là, il faut vraiment l'esprit de Dieu pour comprendre. Il faut vraiment le dire ce mot. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ce qui veut dire, nul ne peut rentrer aussi au royaume de Dieu. Mais il devient. Et c'est pourquoi tout cela, qui prie Marie, parce que tu vas m'appeler, d'ailleurs, c'est même pas la véritable Marie, mère de Jésus, la reine du ciel. Ça, c'est un autre détail. On ne peut pas le continuer ici. La reine du ciel, ce n'est pas la véritable Marie. Le Seigneur Jésus dit, il dit, je suis la vérité. Pardon, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va aller au ciel. Personne ne va arriver là-bas sans passer par moi. Tout cela qui donne le prix à Marie, Marie donne à Jésus. C'est une distraction. T'as vu, non? Donc, aujourd'hui, tu as découvert la scène de ce moment-là pour la fois, j'ai eu beaucoup chez moi. Quand tu as un peu de temps, viens à la maison, on va beaucoup lire la Bible, on va beaucoup échanger. Alléluia. Parce qu'il y a des questions qui ont besoin de beaucoup de versets pour que tu puisses comprendre. Et un seul verset, deux versets ne suffisent pas. Il faut qu'on donne des versets palpables pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Je viens. On va prendre encore Jean, chapitre 11. Allons derrière Jean, Jean 11. Jean 11, 25. Jean 11, 25 dit ceci. On a trouvé. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort, qui est celui-là qui peut dire aux hommes, moi je suis la résurrection, moi je suis mort, puis je suis revenu en vie. Quiconque va se donner à moi, va croire en moi, il va vivre. Et même s'il mourait là, il va encore vivre. Ce qui veut dire qu'on peut mourir de la mort physique, mais on va vivre éternellement avec lui dans l'œuvre de Dieu. Nous qui l'avons accepté et qui l'obéissons. Alléluia. Donc ceux qui croient en lui là, ils vivront. Et même s'il a dit qu'il mourait, ils vont encore revivre avec moi dans le ciel. Quand tu écoutes son langage, sans qu'il dise que je suis Dieu, dans son parler là, tu sens que lui là, c'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs, en son nom, tout genou fléchit. Les démons, même Lucifer fléchit genou. C'est l'une des preuves. Hein, c'est une petite échantillon qui est donnée. L'une des preuves que notre Jésus là, c'est pas un simple prophète. C'est pas un missionnaire. Un simple missionnaire comme les gens le croient. Il est plus que ça. Il est Dieu. Et il est le Dieu des dieux. Alléluia. Amen. Tu voudrais dire quoi? Ok. Et tout ce que vous venez de dire, j'ai compris un peu. Oui, je suis le passage. Mais maintenant, pour confirmation, en ce moment, il doit être le fils. Pour une confirmation, une véritable confirmation, on doit le prendre en tant que le fils. Comment ça? Parce que, on a des versets aussi qui disent, quand on lui a cloué à la croix, il disait, il a levé, c'est-à-dire la voix au chien, et dit, Père, pardonne-les, car ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Voilà, bon, si Jésus a renouvelé ses voix, c'est que d'un coup, il y a le fils à quelque part. C'est qu'il y a le fils à quelque part. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Il n'y a pas de souci à ce point. C'est qu'il y a le fils à quelque part. D'accord. Bon, puisque vous avez dit aussi, lors des petits passages que vous avez donné, qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. A vu le Père. Voilà. Quand le Père est en moi, voilà, je suis en lui. Voilà, nous sommes un. Elle t'a bien compris ce que tu dis. Il dit quand le Père est en moi, je suis en le Père. Nous deux nous formons un. Je vais te demander quelque chose. Est-ce qu'on peut te différencier de ta voix? Ta voix, c'est qui? Quand tu parles là, pour que quelqu'un te connaisse, quand il entend ta voix, il dit non. Il s'agit de Victor, n'est-ce pas? Mais c'est ta voix, il a entendu. Il t'a pas encore vu, mais il dit c'est Victor. Est-ce qu'on peut te mettre à part? Et puis on va mettre ta voix là-bas. Voilà pourquoi ta voix là, c'est toi. Toi, c'est ta voix. On ne peut pas vous mettre à l'écart. On ne peut pas vous diviser. C'est ainsi que Jésus là. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est Dieu lui. La Bible que nous tenons en main là, c'est Jésus. C'est Jésus la parole de Dieu. Et c'est lui qui est Dieu. Parce qu'on ne peut pas te différencier de ta parole. Et on ne peut pas te mettre à part. On dit bon, à partir d'aujourd'hui, on va enlever ta voix pour mettre quelque part.
et puis on va t'arracher ta voix, et puis tu vas ressusciter, on finira de ramener ta voix. Ça ne se fait même pas. Tu comprends bien, non? Oui, je comprends. Très bien. Oui, parce que je le suis bien. Selon moi, je voulais savoir qui est en fait ce père dont Jésus parlait là. Tout à fait, c'est ça ta région. Donc, il veut savoir qui est en fait ce père que je, dont Jésus parlait. Mais en réalité, quand Jésus parle du père, c'est parce qu'il était, dans la chair humaine. Il avait pris la forme humaine et qu'il était sur la terre ici. C'est pourquoi il parlait. C'est un langage codé en fait. Alléluia. Amen. C'est un langage codé. C'est pourquoi, pour plus de détails, le peuple soit encore plus long. J'aimerais que après tu me trouves à la maison, ou bien après le culte, j'ai donné plus de détails. Parce que effectivement, tu as la vision. Lui, il vient de sortir de Nukamina, de l'Église catholique. Donc tout ça, il y a beaucoup de choses encore à faire. Alléluia. Moi-même, peut-être que j'ai donné des passages pour t'expliquer. Mais tu auras du mal à comprendre. Voilà, maintenant. Alléluia. Comment c'est à propos du baptême? On est quand tu t'es baptisé, le Seigneur te donne un nouveau nom. Maintenant, moi, quand je suis allé me baptiser, on a prié jusqu'à moi, il n'est pas reçu de nom. Il n'est pas reçu. D'accord. Je n'ai pas reçu de nom. Maintenant, ils m'ont demandé s'il y a quelque chose qui m'a donné un nom. Moi, j'ai dit, eux-mêmes, ils ont prié jusqu'à ils n'ont pas, trouvé de nom. Donc, comme dans mon nom, là, il y avait Rachel dedans. Donc, ils m'ont donné ce nom, Rachel. Wow. Le monsieur grand est là. Le prophète Pierre. Le prophète Pierre. Et puis il y a deux autres là. Après lui qui a fait des grands de la file est venu vers nous. Donc tu dis que tu n'as pas, quand ils ont pris, tu n'as pas entendu de nous. Pour certains, si tu n'as pas encore l'oreille spirituelle ouverte, voilà, si tu n'as pas encore l'oreille spirituelle ouverte, tu ne vas pas entendre. Et c'est les hommes de Dieu qui vont prier et qui vont te donner un nom. Bon, tu dis qu'ils ont prié, ils n'ont pas eu de nom. Donc, comme il y avait Rachel dans le monde, ils ont refusé de taper de Rachel. Donc, ça peut être poussé par les situations. Tu as trouvé ça un peu bizarre. Alléluia. Sois fortifié. Et ça veut dire, même comme ton nom Rachel est un nom biblique. Donc, ils t'ont donné ce nom-là. Il y a souvent, tu n'es pas la seule personne. Il y a plusieurs comme ça. Voilà, il y a d'autres, même l'homme de Dieu leur a donné le nom avant d'aller au baptême. Le Seigneur peut-être appelé tant. Quand ils sont au baptême, les hommes de Dieu qui sont la baptisés ne sont pas au courant. Mais c'est sorti de sa propre bouche que j'ai entendu tel nom. Vous voyez ça? Voilà. Et voilà un peu. Pour certains, l'homme de Dieu a dit tu vas t'appeler tant. Quand ils sont partis, l'homme de Dieu avait déjà dit qu'on va t'appeler tant. Ce n'est pas devant les hommes de Dieu. Donc, quoi qu'elle a reçu le même nom en esprit, voilà, audiblement dans son esprit, mais elle a dit qu'il n'a rien entendu. Pour voir ce que les hommes de Dieu vont dire. Alors ils ont prié, et c'est le nom que la porte de la lui a donné, qui lui a donné. C'est que c'est ça. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc c'est pas chacun, Dieu parle de manière différente. Alléluia. Maintenant, mon bien-aimé, concernant ta question. Concernant ta préoccupation, on va s'asseoir et puis on va bien poser sur ça. Tu comprends? Voilà, parce que tout ça, si tu ne maîtrises pas ça, alors, effectivement, ça serait une confusion pour toi. Tu comprends? Ça serait une confusion pour toi. Quand tu parles de moi, avant de venir, on avait parlé un peu. Il va falloir qu'on puisse s'asseoir pour échanger avec la Bible. Parce que tant que les gens ne disent pas la Bible, il y a des passages qu'on donne, ils sont étonnés. Ils ne disent pas la Bible. Donc, pour ce faire, c'est pas pendant la prédication, tu vas comprendre ça, ça va prendre du temps. Tu vois? Donc, après le culte, soit ici, soit à la maison, pour voir dans les détails. Et toi-même, quand tu apprends la Bible, tu vas faire comprendre ça aussi à tes frères qui sont encore là-bas et qui vont peut-être te poser des questions. Pour toi, tu as été déjà là-bas. Si tu comprends bien cette partie, tu comprends bien la divinité, il s'agit de la divinité de Jésus, c'est ce qui te fatigue. Donc, quand tu vas bien comprendre la divinité de Jésus, alors tu sauras gagner tout cela, ils vont se croire. Ils vont te dire que non, Jésus, bon, d'ailleurs même, il y a trois dieux. Parce que pour d'autres personnes, il y a trois dieux. Comment Dieu le Père, comment Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais on sait que c'est trois dieux. Donc, tu peux le dire, mais il adore trois dieux. Il adore trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Tu n'es pas dans la vérité. J'attends le droit de Dieu. C'est pas le droit de Dieu. Un seul Dieu manifesté en trois fois. Voilà, donc, t'inquiète pas. Il faut, alors, après, le, après Amen, soit ici, soit chez moi à la maison, donner les titres. Peut-être toi-même, quand tu vas te mettre à diriger ici, ou quand tu vas te mettre à prêcher la parole de Dieu, toi-même, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Amen. Voilà, voilà, on était tous dans la confusion comme ça, on ne comprenait pas. Voilà. Et même quand on posait des questions, on ne comprenait pas. Il y a des choses, si, si même tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. 1 Jean 1, verset, pardon. 1 Corinthiens 1, verset 18, quoi. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Car la prédication de la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour tous ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux-là qui périssent, c'est ceux-là qui n'ont pas la vérité. C'est ceux-là qui n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ceux-là qui s'asseyent et qui disent que Jésus, comment est-ce qu'un être humain peut se proclamer Dieu? Jésus n'est pas Dieu, c'est un être humain. Jésus, il mangeait, il buvait comme nous. Voilà, il mangeait, il buvait. Et ils vont me faire pour lui, mais s'il mangeait, il buvait, c'est qu'il chiait comme nous. Hein, c'est un homme, c'est quel Dieu qui mange et qui chie. Qui disait de telles paroles. Alléluia. Amen. La prédication de la foi, la saine doctrine. Donc la parole dans son entièreté. Ça, c'est-à-dire que pour eux, c'est nous, on est bêtes. Nous, on ne comprend rien. Bon, en réalité, c'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Comme ils ne comprennent pas, donc ils ne peuvent que nous insulter. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a des choses où plus de détails, il faut qu'on s'asseye, puis on échange véritablement. Alléluia. Parce que ça, ce n'est pas le sujet du jour que le Seigneur nous bénit. Quelqu'un d'autre a peut-être une question. Moi, une fois, ils m'ont questionné. Bon, ils n'ont pas pu donner la réponse. Ils m'ont demandé est-ce que quand l'homme se marie, bien, quand il se marie, soit adopté dans la. Et avec un monsieur